le truc le plus important, faut que je l'oublie. C'est quoi ça? Ah, c'est chaud! J'ai perdu connaissance 3 fois. Toi, tes filles, elles sont fermées. C'est horrible, ça fait mal aux pieds. Je suis agressée, je me suis pris pendant la gueule. C'était pas de la boue, c'était de la merde! On rigole, mais en fait, on en a ras-le-bol! On sera pas un peu dans un film d'horreur? J'avais pas serré le frein à main de la voiture. On va voir. Ouais, au revoir. Hey! Aujourd'hui, on part à la plage. Samosa la playa, nananananana. Comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, j'ai préparé mon sac pour aller à la plage. En fait, mon sac, je vais le refaire parce que j'ai trop peur de me le faire voler. Alors, dedans, il y a mes cartons de papier, ma carte d'identité et tout, c'est des trucs beaucoup trop importants. Du coup, je vais mettre tout ça dans ce petit sac que je prendrai sur moi, directement. Enfin, je l'accrocherai comme ça. Et lui, je le tiendrai à la main. Bref, je vais faire mon sac avec vous. Alors, je vais vous montrer mon petit outil du jour. J'ai mis un petit haut de maillot de bain comme ça. C'est le dernier maillot de bain que j'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois. Vraiment, j'aime trop, genre la couleur, les traits, tout. Je kiffe. Et j'ai mis mon petit short comme ça, hein, tout simple, en jean, avec une petite ceinture. Et pour aller avec, j'ai mis une petite veste comme ça, qui, genre, j'aime trop, je trouve ça va avec vraiment les maillots de bain et tout, donc j'aime trop. J'aime ne plus recevoir les notifs Insta. Genre, depuis que j'ai mon nouveau téléphone, en fait, je reçois les notifs Insta, mais genre 20 minutes après. Et là, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'elle m'a toujours pas envoyé de message depuis tout à l'heure, alors qu'on était censé se voir entre 10h30 et 11h, il est 10h33. Du coup, je me dis, c'est bizarre. J'étais sur Insta, en fait, elle m'a envoyé un message il y a 12 minutes pour me dire qu'elle part. Elle habite à 5 minutes de chez moi, donc elle est sans doute déjà là. On est parti! On est dans la voiture. Regarde la route. J'ai oublié une bouteille d'eau. Le truc le plus important, faut que je l'oublie. Enfin, non, le truc le plus important, en fait, c'est mon téléphone. Mais le deuxième truc le plus important, faut que je l'oublie. C'est un peu vital. Ouais! Bref, on est en route et voilà. On est arrivé! Le bar dont je te parlais, oui. Ah merde, j'ai oublié de changer mes chaussures. On refait demi-tour, madame a oublié de changer ses chaussures. En fait, j'ai fait un mélange de changer et de chaussures. Oui. Là, elle est en basket. Super pour aller à la plage. Au moins, t'as pas de sable dans les chaussures, hein. Voyons le bon côté des choses. C'est vrai. All we got, you know we're all. Ah, elle est belle ma copine! Toutes les deux en mode maillot de bain! Déjà, je viens de voir un panneau toilette, donc je suis grave rassurée. On a pensé à la même chose parce que sinon, oui, comment on fait? On passe la journée ici. C'est stylé, hein! Et moi, si les oiseaux viennent sur moi, genre, ils me chient pas dessus, je m'en fous. C'est mignon. Par contre, ils me chient dessus, je m'en fous pas. Mais s'ils viennent sur moi, c'est trop. Hand spinner interdit! C'est incroyable les gars. Genre en fait c'est là qu'on se rend compte à quel point on a de la chance. Parce que genre tu vois les gens qui sont contents d'habiter à Paris, mais ils ont pas ça. Ils ont juste la ville. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais genre ça fait une texture dans l'eau. Trop stylé. Pourquoi quand Chine il fait plus de bruit? Il y avait une mouette, je vous jure, et des. Genre vous pouvez lui demander, elle peut se brûler, on dirait que j'ai dit attendre. On se voit un peu. Là on a attendu, attends. Refais le bruit! Ah, il y a des gens! Pardon. Bref, il y a des mots. Tu connais? Mais toi, tu connais tout le monde aussi. Bip! On est arrivé à destination. Je transpire mes grands morts. Super! C'est quoi ça? C'est un drap, une couverture, de quoi? Un vêtement, ça. Et ça. C'est quoi? Ça doit être un truc de pêcheur. Il n'y a vraiment que le window pan. C'est ça. Pourquoi faire? C'est une masterclass à voiture, elle est trop belle.
Est-ce qu'on a eu peur d'avoir perdu la voiture? Oui, totalement. Surtout qu'elle est petite, donc tu la perds facile. Hein. Je m'assois, j'ai mal au dos. On sait pas si c'est déjà ouvert ou pas. Je crois qu'on va demander. Mais l'endroit, il est incroyable. On va manger ici, ce midi. Et c'est trop beau. Faut regarder. J'adore. Nous, on s'est assis, mais faut alors. On va se faire churrer. Faut place. D'abord aller commander. Ça aussi, c'est trop stylé, genre. Le design, je kiffe. Bon, on se décide, on commande et je vais te laquer. Bon, on commande sur ça en fait, parce que genre c'est comme au McDo, du coup c'est trop bien. C'est plus simple. C'est bon, on a commandé, on a été chercher des petites boissons très rafraîchissantes à la tienne. Etienne. Ouais. Et du coup, bah, maintenant on attend. Voilà. Qui est bon? Toi, t'as pris un. Mais comment ça s'appelle? Un burger. Un burger, un paillot de burger. Ouais. Ouais, et moi j'ai pris un American. Voilà. Mais j'ai trop faim. Vas-y. Ah, c'est chaud! Je viens de gueuler, mais parce que je me suis brûlée. J'ai dit que ça. Ah non, mais pique, hein. Tiens, coup, j'avais mangé tout toute seule. Ah, bah, t'as vu la taille de mon truc ou pas? Oui. La taille de mon truc, merde. Bref, vous faites pas gaffe à la couleur, je ressemble à un schtroumpf. Mais si un jour vous allez au lac de la Forêt d'Orient, mais allez à la baguette, genre c'est trop bon! C'est une masterclass! Oui, c'est trop bon. En fait, voilà, c'est fou. Ouais. Oh. Allez, tiens. On a terminé de manger. Manger. La caméra est fou. Elle est un peu trouble. Attends, je vais essuyer, regarde. On a vu ta bouche. C'est mieux. On est bleu. Ma chérie. Bref, du coup, on a terminé de manger. On va aller ramener ça. Et voilà. Là on attend pour le toilette parce que c'est pas que j'ai pas été aux toilettes depuis 10h30, mais j'ai pas été aux toilettes depuis 10h30. Ah, moi c'est pareil, j'ai pas envie. Et moi j'ai envie. Bref, du coup on attend. C'est tout blanc. Ah non, c'est bon. Ça moi ça la playa. Vas-y, chante avec moi, parce que tu te fous de ma gueule. Non, j'ai pas envie. On est à Cannes, il y a le tapis bleu pour nous. Pour pas dire tapis rouge. Lol. Par contre, sans déconner, les pieds dans le sable c'est beaucoup plus agréable que des pieds avec des sandales dans le sable. J'ai peur de lâcher mon téléphone en fait. Est-ce qu'on est pas bien là? Mais bien. Si en fait tu vas aller avec elle. Vous voyez la guignole qui fait fou. On est trop bien, on est dans l'eau là, ça va faire 2 heures on est dans l'eau. Mais on est trop bien, c'est le kiff genre. L'eau elle est trop bonne. On joue du sable partout, mais l'eau elle est trop bonne. On y retourne. C'est horrible. Je vais me démaquiller avec vous, avec des mouchoirs. J'aurais pas dû me maquiller, je regrette. Mais ça va là en fait, l'œil là, non? Non, un peu en dessous. À ce point? Oh putain. T'en as au-dessus sur la paupière. Je vais faire comme ça? Non mais attends, après ce sera bien. Mais je crois que ça va là, non? Ça va, t'en as juste là. Putain. Putain, on est marre. Ah, là. Oui, et puis t'en as genre là aussi. Voilà. Bah en fait là, si je me protège les yeux, c'est bon. Je peux me frotter les yeux, je peux me noyer, je peux. Voilà, on s'en fout, je serais pas moche. Ça va partir dans l'eau. Si je me noie, je mourrai jolie. En fait, les gars, j'ai appris, je savais nager. Voilà, je sais nager. Mais genre vraiment. Je suis contente. Allez, on y retourne. C'est parti. Franchement, mais incroyable. Tu viens de te peindre le cul, quoi. Non, mais il y a des gens, ils te voient, ils te font ton cul. Explique à la caméra qu'est-ce que tu fais avec ton pied. Le petit chien. Elle fait un trou. Je vais enterrer mon avenir. Oh. On recouvre ses pieds. Je sais même pas si on voit. C'est pas grave, c'est drôle. Il faut faire derrière aussi. Ah bah oui. Démat les Nike. Les nouvelles Nike. Vas-y, retire. On a tes empreintes. Oula, ouais, elles sont un peu foutues les empreintes. Hein. Moi, les pieds. Elle me fait des chaussures Nike. C'est personnalisé. Elle me fait des chaussures. Sacrée journée. Oh mon dieu. On a des trucs à raconter. Ah, ouais, là, il est 17h. Il s'est passé un truc. Je vous raconte dans la voiture, je crois. En fait. Ouais. On fait les choses bien quand même. Hein. Et si on oubliait ce qui s'est passé, bon du coup après qu'on ait expliqué à la caméra et qu'on passait une bonne fin de journée, une bonne soirée, si on faisait ça. Ouais. Allez. Alors,
on a une altercation. En fait, je ne vais juste pas rentrer dans les détails parce que je veux pas de problème. Je veux pas de problème, du coup, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, je me suis pris un point dans la gueule, quoi. Voilà. Ah, mais clairement, une énorme patate. Ah oui, voilà. Et deux secondes avant, un ballon dans la gueule. Donc, un ballon, et après, un point dans la gueule. Voilà. Du coup, on a fini dans le truc de secours. Ouais, dans le poste de secours. Non, je m'essuie les... Ouah, attends. Ah, ça filme encore. J'ai pas vu. Mais tu es coincé. Oui, du coup, on va pas vous expliquer dans les détails parce qu'on veut pas avoir des problèmes, comme on vient de dire pour la quatrième fois. Mais là, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais attends, elle s'est juste pris une main dans la gueule et elle se retrouve au poste de secours. Oui, tout simplement parce que j'ai des problèmes au cerveau. Et que la personne qui m'a frappé au cerveau. Enfin, pas cerveau, genre là. Au niveau de son kyste. Oui, voilà, j'ai un kyste arachnoïdien temporal antérieur gauche. C'est long. Je pense que personne ne sait ce que c'est. Ouais, mais voilà, bref. Et elle m'a frappé pile à son endroit. Du coup, j'ai perdu connaissance 3 fois. Une fois dans l'eau, une fois au poste de secours, elle était en train de convulser comme ça. Tu fais la scène. Désolée, je fais l'imitation. Mais elle faisait les yeux blancs, elle était comme ça. Ah, j'ai convulsé des yeux aussi. Ouais. Mais t'as vu ça, je me souviens pas. Hein. Ah, si, je te jure. Ok. J'en apprends des choses en même temps. Troisième fois, t'es juste resté comme ça. Ouais. Et après, tu t'es remis. Voilà. Du coup, là, je vais mieux. Donc, on va changer de plage parce que c'est bon, on en a marre. On va profiter parce que là, c'est bon, il est 17h. Donc, on va aller sur une autre plage. 17h09. Ouais. On va aller sur notre plage, on va faire notre vie, et voilà. Et peut-être se passer encore des choses, hein, ce soir. Salut canard. Tu as toujours pas donné de prénom, hein. Oh non. Oh là là. Peut-être qu'elle appelle Pouic Pouic. Oh, allez, go, c'est bon, on a choisi son prénom, on l'appelle Pouic Pouic. Tu trouves des chiottes? Pourquoi faut que je trouve des chiottes? À ton avis, Alex, à ton avis. On est arrivé à destination, et franchement, c'est super calme. C'est, en fait, c'est pareil, mais c'est super calme, donc c'est cool. Voilà, là on va aller se repeigner. Si tu veux toujours aller baigner. Ah oui. Oui. Regarde comment je transpire. Juste, je brille. De mille feux. Là du coup on va vous les... Oh putain, t'as chopé un couteau. Waouh. Regardez le couteau. Mais à la caméra on voit super bien ta démarcation. T'es toute rouge. Demain tu vas souffrir. Les gars, là je suis en train d'aller aux toilettes. T'es loin. Enfin loin. Loin parce que dans le sable ça fait loin. Oh, il est chaud le sable. Ah là il est bon, c'est bien. Parce que là il y a 2 secondes j'étais dans le sable cailleux. Je sais pas si ça se dit, mais là c'est bien. Il est confortable. Et j'ai trouvé les toilettes. J'ai trouvé. Il y a plein de cailloux, je vais me faire mal aux pieds, je suis pieds nus. Non ça va, ça quand même. Bon, il va falloir que je passe sur la route. Il y a plein. Ah putain c'est des épines. Je me suis piqué les doigts. Je passe où du coup? Ah mais les toilettes des filles elles sont fermées. C'est fermé, du coup il y a les toilettes des garçons, mais en fait j'ai pas été parce que c'est pas possible. C'est des trucs genre pour les garçons, et du coup c'est pas du tout adapté, tu peux pas t'asseoir. Et du coup, parce que ça va pas nous gâcher notre journée, ce soir on mange au restaurant, enfin je sais pas si c'est un snack ou un resto, bref, on s'en fout. On mange ici, et après on va au concert, à un concert quoi. Voilà. Autre problématique, je la trouve pas. Je sais pas où elle est. Je sais plus où on s'est posé. Oh là là. Sens de l'orientation, bonjour hein. C'est bon, je le trouve, elle me regarde. Je suis en train de parler toute seule à ma caméra, les gens me prennent pour une folle. Gardez les cailloux. Putain. On a été se baigner là, il est 20h. On a rencontré des gens. Du coup, bah, on s'est amusé avec eux pendant 2 heures dans l'eau. On a joué au ballon, on a fait des bêtises. Bref. Et là, on va aller manger. T'as des coups de soleil, maman mia. Là, on va aller manger. Après, on va aller en concert. Voilà. C'est horrible, ça fait mal aux pieds. C'est bon, on se nettoie les pieds. J'espère qu'il n'y aura pas de fétichiste. Je suis en train de lui montrer que les toilettes pour femmes. Regarde. Oui, mais. Ah ouais, je vais faire pipi. Il s'est passé autre chose. En fait, ce matin, il s'est passé quelque chose. Après, je me suis fait agresser, je me suis pris pour dans la gueule. Et là, il s'est passé un truc. Je vais pas dire, tout simplement, je vais pas en parler. Et là, la voiture elle fait quoi? Non, c'est bon. Putain, c'est bon. J'en ai marre, d'accord? J'en ai marre. On rigole, mais en fond, on en a ras-le-bol. Vraiment, j'en ai ras-le-cul, c'est vrai. Moi aussi. C'était censé être une bonne journée. Il nous arrivait, mais que des bip. Terminons cette journée sur une bonne note, si tu veux bien. Waouh. C'est quoi ce jour? Je sais pas. Limite, j'avais posé le téléphone. Après, là, et on parle.
On parle de cette journée. Nouveau problème. J'ai masse mal en bas du ventre. Mais ah ouais. Je pense que ça peut être les règles, non? Oui. Oui, bah ok, bah voilà, c'est bon. Oh, oh non, ça pue. Oh, oh non, ça pue. On va laisser ça dans le coin. Oh la vache. Les mains en l'air. Allez, allez, allez. Ah, ça pue. Oh merde, t'es en train de filmer? Oui, bah mais c'est pas grave, hein, je coupe hein. Merci. Sonne, sonne, pitié sonne. J'ai faim, on a faim, on a faim. Ça fait ça quand ça bip et nous on fait de crise cardiaque. Mais en vrai, on est content parce qu'on a faim. Bonsoir. Merci. D'accord. Vous êtes sur place? Oui, merci. Merci. Bon appétit. On t'en a pas. Cette musique, c'est une masterclass. Bonjour les copyrights. Bon, on trouve plus la voiture, mais... Au pire, ça s'allume pas quand tu appuies sur le bouton? Ou c'est une... Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Que des galères aujourd'hui. Ah, je la vois, regarde les clignettes. Mais en plus, on est en train de partir de l'autre bout. À l'autre bout, pardon. Et là, on a mangé, on va au concert. Bon, vous me voyez pas bien, mais faut que je vous parle. Parce qu'il fallait bien une dernière bip à cette journée. Le concert est payant. En fait, c'est pas le bon truc. Genre, il nous a dit que c'était une personne que je connais. Et en fait, non, c'est le cas de ça. Vous me l'accordez, nanana. Aïe! Pardon. Je me suis lancé un bout de bois sur le doigt de pied. Oh, oh là là. Attends. Viens, je t'emmène au vent. Oula, j'ai fait tomber. Ouh, je suis tombée. Oh putain. Oh, je suis morte, j'aime cette vidéo. J'aime. Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Dans la boue, meuf. Non, pas dans la boue. Bah j'ai entendu. Attends. Moi. Non, non, mais il y en a partout. Oh putain, regardez. J'en ai marre. Ça me saoule. J'en ai marre. Ben voilà, direction le lavage. J'en ai marre. J'ai envie de pleurer. C'était pas de la boue, c'était de la merde. C'est l'évacuation des toilettes. Et j'en ai marre. Oh putain. Tiens mon chat, je travaille bien et basta, voilà. Elle me dit quoi? Pense à autre chose. Mais comment tu veux que je pense à autre chose? Je viens de tomber dans la merde. Tu nettoies. T'as vraiment encore paumé la voiture? De toute façon, je peux la repérer avec les clés. Mais au pire, tu voulais pas aller aux chiottes? Non. Moi, j'ai déjà pissé, hein. Mais tu voulais te nettoyer les pieds ou je sais pas quoi, non? Ah non, les chaussures, moi. Hein? En vrai, honnêtement, t'as passé une bonne journée à combien, genre sur 10? Je mettrais 7,5. Moi, je mettrais 5. Parce que je sais que je vais péter un câble arrivé chez moi. Et que là, genre, je mets 5 si c'est parce que t'es là, sinon j'aurais mis 0. Très clairement, j'aurais mis 0, hein. Ouais, ouais. Fou. Je comprends. Mais bon, regardez là. Allez, je te tiens, tu me tiens par là. Par de bras. Il y a du savon ici, tu vois qu'il y a du savon. Oui, c'est bon. Tu crois que c'était du fromage, j'ai eu peur. On voit rien du tout. Il va faire tout, hein. Ta gueule. Oh là là. C'est quoi ces chiottes là aussi? Oh, je peux aller aux toilettes du coup? Ah oui, par contre, tu sais que la porte là, que t'as vu, que t'as dit c'est dégueulasse, il y a de la des mouches là dans mon sac. Putain. On se croirait pas un peu dans un film d'horreur? Ah, mais c'est aussi de la merde sur tes chaussures du coup! Jure! Ah, j'en ai zappé! Tu me tiens, je te tiens par eux, les pieds. D'accord. On nettoie la merdouille qu'il y a sur la chaussure. C'est dégueulasse! C'est sale, c'est sale! Comment ça, mes chaussures elles sont encore sales? Je viens de les nettoyer, bordel! Je te laisse parler. Cerise sur le gâteau. J'avais pas serré le frein à main de la voiture. Oh putain, j'en ai marre. Elle va bien la voiture, elle va bien. Sachant qu'il y a un ravin qui est genre juste devant la voiture et que c'est en pente. Je comprends pas pourquoi la voiture s'est pas déplacée déjà. Donc voilà. Cimetière, c'est rassurant ou pas? Oh putain, allez. Toi tu déconnes, hein. C'est wow. Toujours je vois avec la lueur de mes phares, cimetière. Il est 23h02 les gars. On est pressé de rentrer, on veut que rentrer en fait. J'en ai marre. Tu peux dire que t'en as marre comme ça, je me sens pas seule.